Excusez-moi, je suis essoufflée, je suis montée à pied. 4 étages, 88 marches exactement, et j'ai grimpé ça en 28 secondes et 73 centimes. Pas mal, non? Ben, je suis pas vieille, pourtant je passe 10 heures par jour de QVC dans mon taxi. Fils de pute! Je rêve très bien de traiter ma mère de pute. Ah pardon, pardon, je ne le fais pas exprès. Ben, d'abord, tu la traites de pute et après tu t'excuses. Hein. Non, je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai proféré des insanités et je fais des gestes obscènes sans le vouloir. J'ai le syndrome Jules de la Tourette. Vous savez, ça sort de ma bouche malgré moi. Sans déconner. Oui. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans. Et j'en ai 55. Voilà. C'est le seul toc qui ne se guérit presque jamais. Ça peut se guérir, mais c'est en souffrance assez tôt. Mais à mon âge, binocule! Oh, pardon. Voilà, c'est sorti tout seul. Bah, ma pauvre madame. Hein. Excusez-moi si j'ai mal réagi, mais bah, je pouvais pas, ça va. Ah oui, rassurez-vous, ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Ah oui, je vois ça. Ah oui, c'est pour ça que j'ai arrangé ce rendez-vous avec cette grande spécialiste qui est la docteure Stern. Apparemment, elle est l'une des meilleures du monde. Pas l'une des meilleures, la meilleure. 13 mois et demi d'attente pour décrocher un rendez-vous. 13 mois et demi, bah, vous vous rendez compte? Ça fait 410 jours, 9840 heures, 580 400 minutes, 35 424 000 secondes. Effectivement. Frédéric, je m'appelle Frédéric. Enchantée, moi, c'est Vincent. Content de vous connaître, Vincent. Ouais. Bah, sans indiscrétion, vous faites quoi comme métier? Parce que je vous imagine mal pour des maths ou que ça. Ah non. Adolescente, je devrais être pute. Oh, non, pas ça, évidemment. Je devrais être avocate. Ah oui. Ah oui, mais vous imaginez la tête des jurés avec une avocate qui crise en pleine plaidoirie. Ah oui, oui, oui. Hein. Ça, je vois le tableau. Hein. Monsieur le président, monsieur le jury, fils de pute. Ah oui, voilà. Donc, je me suis rabattue sur une activité que je peux exercer chez moi et j'ai créé une petite maison d'édition. Et vous? Je vous l'ai dit, je suis taxi. Ah non, je voulais dire, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, ça, pas bien. Figurez-vous que, d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. Ah, je n'avais pas remarqué. Remarquez, hein, moi, mon toc, comme ils disent. Bah, moi, je le vis très bien. C'est surtout ma femme qui ne supporte plus. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous. Je la saoule trop avec mes chiffres, mais il faut que je compte tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Pour elle, c'est un enfer, mais pour moi, c'est comme qui dirait, un loisir. Oui, votre handicap, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant. Vous comptez à la vitesse de mon cul! J'ai dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Et vous? Vous avez des enfants? Ah oui, bah deux. Vous voyez, c'est pas le calcul de la journée. Hein. Bah deux, c'est trop cher. En même cas, vous ne pouvez pas en faire des millions. Ah bon? Problème? Non, c'est pour les microbes.
la salle d'eau. Non, désolée. Bah, je crois que c'est la porte, juste quand j'ai le couloir. Merci. Chérie de merde! Et je ne m'excuse même pas. Bien prête. Vous avez vu la maniaque? Oui, mais c'est un bloc ça aussi, vous savez, de tout nettoyer. Ah bon? Oui, ça s'appelle le... Depuis des décennies que je consulte, j'ai fini d'apprendre les choses sur d'autres tocs. En plus, j'ai imprimé tout ça à l'internet. voilà. Je vais vous trouver le nom. Ça s'appelle des rituels de lavage. Mais je sais que ça a un nom encore plus compliqué. Attendez. Ne bougez pas. Pas plus tard, ben voilà. Le docteur n'est pas là? Non, madame, j'attends. Moi aussi, depuis maintenant 750 secondes. Encore! Nosophobie. Crainte exagérée d'attraper une maladie. Ah, d'accord. Et pour moi, c'est quoi le nom de ça, mon truc? Bougez pas. Arythmomanie. Garçon qui compte en permanence dans sa tête. Merde, hein? Je suis vraiment malade alors. Ah oui. Mais je suis là depuis juste 2 minutes. Non, 4:15. Le docteur, il n'est pas là? Ben, je ne sais pas, ma bonne dame. J'attends. J'ai mis 13 mois et demi et je suis encore plus à 5 minutes. Donc, ben, d'autant plus que je ne pense pas avant ce soir. Donc, ça va, j'ai le temps. Non, mais j'ai la merde! Oh mon Dieu! Ben, c'est pas vrai! Ben, ça ne va pas recommencer! Je vous répète qu'elle ne le fait pas exprès. Ben, faut vous dire en quelle langue? En javanais? Mais moi non plus, quoi! Je ne le fais pas exprès. Oh putain, mais on est où là? Vous pouvez me passer le pèlerin? Le quoi? Le pèlerin là. Merci madame, vous êtes bien aimable. Bah, vous savez où c'est. Merci. Allez, ça fait 3 fois. Elle doit en bouffer de la savonnette. Tiens, je serais même curieux de savoir combien elle en consomme avant. À la louche, je dirais entre 175 et 210. Vous croyez qu'elle garde les boîtes? C'est possible, oui. Bonjour. 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 Vous aussi, vous avez un rendez-vous avec le docteur? Oui, oui. Mais elle a pris combien de rendez-vous aujourd'hui? Bah, c'est ça, c'est trop, il faut éteindre la lumière, c'est peut-être ça qui vous attire. Oh mon Dieu, oh non, la lumière, j'ai oublié d'éteindre chez moi. Ah, zut, quel idiot je fais. Et les gaz? Quoi, les gaz aussi? Oui, je sais plus. Il y a 3 personnes en Antoine, c'est ça? Oui, vous êtes la 4e, avant tout d'arriver, mais si vous avez un problème chez vous, je viens vous céder ma place. Si ça peut éviter une explosion, c'est bon. Mais je vous préviens, je ne suis que le 2e. Fred est avant moi et la madame qui est tout le temps en toilette. Après.
moi, je ne suis pas pressée non plus, alors si ça vous arrange, je peux bien vous prêter ma place aussi. Merci, madame, vous êtes bien de même. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit qu'elle était très gentille. Mais laisse-moi ça. N'empêche qu'elle est gentille quand même. Surtout, ne la prenez pas mal. Elle ferait des promos comme ça, mais elle ne le fait pas exprès. D'accord. Culé! Et dès que Fred est débrouillant, la dame, là, elle fait des signes de croix. J'ai vu. Là, vous voyez, quand on a les clés pour décoder, tout est simple. D'où Jésus mes clés? Mais à quelle heure le docteur va-t-elle nous réserver? Il va arriver combien de gens encore? Bah, si ça se trouve, de toute façon, il ne reste plus qu'une chaise. S'il en vient d'autres, il faudra les prendre sur les genoux. Ça, c'est hors de question. Je ne suis pas venue ici pour attraper une mycose ou quelque chose comme ça. Mais je déconne. Je déconne. J'avais compris. Mon Dieu, je les ai. Oh là là, si jamais ils sont chez moi, oh, avec le gaz ouvert, ça va faire une catastrophe. Oh mon Dieu. Madame, excusez-moi, mais avant de partir, vous avez vérifié si votre gaz était fermé ou pas? Oui, enfin, je vérifie toujours. Alors, plusieurs fois même. Bah, combien de fois exactement? Bah, oui, à la louche. Je ne sais plus, mais je dirais entre 20 et 30 fois, minimum. Alors, tout va bien. Vous voyez. Bah, mais oui, rassurez-vous, hein. Si vous avez vérifié 30 fois, c'est bon. Et à partir d'une fois, c'est bon. C'est bon, le fion! Allez, on se calme. Ah, bonjour. Voilà notre sixième chaise. Bah, entrez, n'ayez pas peur, on va pas vous manger. J'imagine bien. Ah, juste, je vous préviens d'un truc, Fred. Il y a des promos tout le temps, mais elle n'est pas Fred. Vous aussi, vous avez un rendez-vous avec le docteur Stern? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tous ces rendez-vous? Il n'a jamais été une question de thérapie des groupes. Bah, je crois pas, non. On vous a dit que c'était une thérapie de groupe, pas bon? Non. Enculé! Bah, il y avait l'enfant. Bah, entrez. Votre chaise vous tend les bras. Oh, si je veux bien. Thank you.
première carte. Il est fort possible que je sois partie de chez moi sans avoir fermé correctement mon nom et peut-être mon gaz. Ah bon, je vous ai laissé passer moi aussi. Excusez-moi, mais... il ne s'agit pas d'une thérapie de groupe ici, parce que si c'est le cas, moi je... Désolée, mais je n'ai pas d'informations sur la consultation. Tout ce que je sais est que son avion a pris du retard à Francfort à cause du brouillard. Et là, comme je n'arrive pas à le joindre, je ne sais pas s'il est encore dans le taxi ou s'il est encore dans l'avion ou déjà dans le taxi. Mais il faut maintenant que je surveille le téléphone. Excusez-moi. On peut changer de place ? Ben, je m'en fous. Pour Frankfurt, lequel aéroport ? Roissy Terminal 2D. Ah oui. Et à votre avis, elle peut être là dans combien de temps ? Bah, une heure si c'est une manche, trois quarts d'heure si elle roule normal et une demi-heure si elle s'appelle un centre. Ah bon, si c'est une demi-heure, ça va ? Oui, sauf si elle est encore dans l'avion. Excusez-moi, ça vous dérange si j'aère un peu parce que ce n'est pas très simple de respirer assise dans la même pièce. Surtout en plein hiver avec tout ce qui traîne, les grippes, les bronchites, les laryngites, j'en passe de meilleurs. C'est-à-dire qu'il ne fait pas chaud chaud. Juste deux minutes après je referme. Chérie de merde! Bah, il y avait longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Moi? Bah oui. Bah, j'organise un peu les objets. Ça ne vous choque pas tout ce bordel? Ben non, quel bordel? Vous voyez pas que c'est pas symétrique? Oh putain, mais on est où là? Ben, Fred, qu'est-ce que vous avez contre les thérapies de groupe? Parce que si le toubib veut nous voir un par un, ben ça risque de prendre la journée. Ah non, moi j'ai pas la journée, hein. Ah non, moi j'ai pas la journée, hein. Moi non plus. Moi non plus, surtout si j'ai laissé un robinet ouvert. Bah, moi, on m'a dit que c'était un travail de groupe. Mais qui vous a dit ça? Bah, le docteur qui m'a orienté vers le docteur Stav. Ah, le con! Mais cool, Frédéric, de quoi vous avez peur? Rien. Je préfère être seule avec la thérapeute, c'est tout. Vous savez, toute ma vie, les gens se sont moqués de moi. Personnellement, je ne suis pas venue ici pour me moquer des gens. Et moi non plus, certainement pas. Ah, vous voyez, relax. Moi, j'ai déjà fait une thérapie de groupe il y a 2 ans, et bien personne ne s'est moqué de personne. Voilà! Tiens, vous savez ce qu'on devrait faire? Ben non. Un tour de table pour se présenter. Mais grand Dieu, pourquoi? Bon, comme à mon avis, c'est ce qu'on devait faire devant le docteur, et si on le fait maintenant, ça nous fera gagner du temps. Ah oui, c'était pas con ça. Fred, vous êtes d'accord? Ah bon? S'il s'agit juste de se présenter. Ah non, il faut dire aussi, bien, la raison de sa présence ici, et aussi sa couleur de jour. Sa couleur de jour? Oui. Bah, qui commence? Moi, je veux bien. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Eve, j'ai 25 ans. Excusez-moi, est-ce qu'on peut fermer ici parce que je vous rappelle qu'il n'était pas chaud chaud. Bon, mais à partir de maintenant, on défend de s'interrompre, hein? D'accord. Culé! Je prête, bien sûr, qui ne le fait pas exprès. Ok. Bonjour, je m'appelle Eve, OVE, j'ai 25 ans. Je suis conceptrice de jeux vidéo et je souffre de métoc depuis l'adolescence. Mes plus importants sont ma incapacité totale à marcher sur les lignes et aussi ma fascination pour la cinéma. Et c'est quoi votre couleur? Au vert. Pourquoi? Donc, c'est parce que c'est la couleur qui est pile juste au milieu de l'arc-en-ciel. Donc, il y a le jaune, l'orange, le rouge, d'une côté, et
à moi. Bonjour, je m'appelle Frédéric, Fred pour les amis. Je souffre du syndrome Gilles de la Tourette depuis mon enfance et je profère des insanités, je fais des gestes obscènes sans le vouloir, bien sûr. C'est le seul top qui ne se guérit presque jamais. Alors j'ai seulement espoir que les médicaments progressent et non plus. J'ai seulement espoir que les médicaments progressent afin de diminuer mes crises. Voilà, vous savez tout. C'est quoi votre couleur? Ma couleur? Brun. Ah oui. Bruno. Ma couleur, c'est le blanc. Je suis la Borontine. J'ai, on va dire, la trentaine. Et j'ai très peur des microbes et de la maladie. D'aucuns disent que je suis autiste. Mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, je me dis que j'ai raison de m'inquiéter. Seulement, comme j'ai tendance à m'angoisser un peu trop avec tout ça, mon entourage a insisté pour que je consulte. Et de docteur en docteur, j'ai finalement été orientée avec cette grande spécialiste. Idée, paraît-il. Et ça vous a pris à quel âge cette histoire? Oh, j'ai toujours eu ça, mais ça s'est peut-être accentué il y a une petite dizaine d'années. Allez, Anna, elle nous a tous les deux! Oh mon Dieu! Oui, oui. Bien, bel enchaînement! Merci. C'est à vous dès que vous aurez fini de tricoter, bien sûr. Mais non, moi, je vous l'ai déjà dit, je viens ici pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Bah oui, oui, c'est maman. Vous ne connaissez pas votre copine, mais je suis sûre qu'elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh mon Dieu. Non, Vincent, on ne se moque pas non plus. Bah, c'est pas méchant, je déconne. Allez, madame, présentez-vous. Allez. Seigneur, donnez du courage à votre créature. Bon, je m'appelle Marie. Je m'en serais doutée. Allez, ne vous dites pas mon âge, ma couleur est également le bleu, mais attention, pas le bleu taxi, mais le bleu céleste. Oh, et si je suis ici, c'est parce que j'ai une seule manie qui, d'après mon docteur, a dégénéré en ce que vous appelez ici un temps. Quelle manie? Je vérifie les choses sans cesse. Quelle chose? Ah oui, ça s'appelle des tocs de vérification. C'est une grande classique. Mais ça se guérit assez bien, d'après ce que j'ai lu. Ah oui, bah, vous voyez, hein, c'est pas la mer à boire non plus. Il ne reste plus que... Attendez! De penser que quoi? Des pensées qui reviennent tout le temps.
Malgré vous. Allez, à vous. Ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Mais pourquoi pas tout le monde a quand même Fred et Marie? Ça me gêne. Ça me gêne. Mais tout à l'heure devant le docteur, il faudra bien que vous parliez. Bah oui, Candide a raison. Considérez ça comme un petit training. Parce que tout à l'heure, le groupe sera le même. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Ah bah donc, je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Ah. Et ça vous le fait quand? Bah tout le temps. Bah tout le temps. Et vous répétez toujours tout deux fois? Oui. Et deux fois aussi la dernière syllabe des autres. Oui. Et deux fois aussi la dernière syllabe des autres. Et depuis quand c'est devenu systématique? Depuis la mort de mon père. Ça, c'est depuis la mort de mon père. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si vous ne répétez pas votre phrase? J'ai peur que ça me tue. J'ai peur que ça me tue. Ah, carrément. Bah, Fred, vous avez ça dans vos fiches? Je sais pas, mais oui, sûrement. Remarquez vos potages, je peux dire deux fois. C'est que bien symétrique, moi je vous prends. Bah, merci, ça fait plaisir. Bah, merci, ça fait plaisir. Est-ce pas votre couleur? Gris. Ah bon, pourquoi? Je sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Bah, je sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Ah oui, gris. Ah oui, oui. J'ai trouvé. Ah, voilà. Et Colali et Palilali. Oh, j'étends, mais ils ont vraiment de nom pour toi. Hein. Et pour moi, c'était quoi déjà mon truc? Je vous ai déjà dit. Arrête, mon ami. Bah, c'est pas si mal de mettre un nom sur son problème, c'est déjà un début. Ah, voilà! Il y a du nouveau? Ah non, j'ai pas encore réussi à joindre le docteur. Culé! En attendant pour en arriver là, je trouve ça inadmissible! Ah oui, là, c'est pas cool. Excusez-moi, ça vous dérange si je joue un peu? Oui! Oui! J'ai quand même réussi à joindre l'aéroport de Francfort et il semblerait que son avion ait décollé. Il semblerait? C'est déjà même sûr en plus? Ouais. Si, c'est sûr. Alors si c'est sûr, pourquoi vous envoyez le conditionnel? Excusez-moi, mais d'après eux, son avion a décollé, c'est bon. Oui, mais il y a combien de temps? Ça, ils ne me l'ont pas dit, mais au pire, le vol dure 50 minutes. 3000 secondes! Oh. Fils de pute! Excusez-moi, je retourne près du téléphone. Et juste deux minutes. Ben non, merde, on va tout choper la crève. Au contraire, c'est pour évacuer les microbes. Et 50 minutes, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ça vous dirait de faire un jeu? Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. C'est quoi comme jeu? Bah, le jeu de société. Je ne sais, pas même ce que c'est. Dites-moi, elles ne sont pas un peu crasseuses toutes ces vieilles boîtes? Ah non, ils se sont un petit peu m'arrangés cette boîte. Ah, je vous propose un bon vieux jeu de Monopoly, c'est pas classique, mais bon. Allez, pas d'accord. Thank you.
50, 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. 100, 200. 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. Je veux un 9 pour aller à la gare de Lyon. J'ai déjà la gare du Nord et la gare Montparnasse. Avec cela, ça me fera 3. Si je mets la main sur les 4, vous allez voir comment ça va douiller. Oh, mais vous êtes obligé de te patouiller l'été comme ça à chaque fois. C'est pas très hygiénique pour les autres. Ça va, j'ai les mains propres, hein, c'est pas comme d'autres. Non, hé, je déconne. Ou pas 60 euros, c'est pas cher. Bah non, merde, pas quand c'est à vous de jouer. Bah vous irez vous laver les mains quand ce sera F. 30 secondes. Mais c'est chiant à la fin. Vincent, vous la stressez encore plus là. Non, mais ça casse le rythme. Ça va, c'est pas grave. Oh, ça va, c'est pas grave. Désolée, mais le Monopoly avec les zéros, ça, je trouve pas que c'est le vrai nom. Ah, enfin, nous allons savoir si la très convoitée roule trop va tomber dans votre escarcelle. Oh, oui, je chatte. L'avenue Fauchiesse. D'après moi, il ne te reste que 210. Peut-être, mais j'en veux. Mais pourquoi? Parce que c'est l'avenue de Paris que je préfère avec ces deux contre-allées bondées d'arbres aussi bien signifiées. Mais tu peux pas te la payer parce que tu n'as pas les ronds. C'est dommage, mais c'est comme ça. Allez, on essaie de donner du rythme à la partie maintenant. Non, Marie, à vous de jouer. Non, je veux une fois, je veux qu'on va. T'énerve pas, fais tout ce qu'un jeu. Bah, je veux l'avenue Foch, vous m'entendez, je veux. Attends, quoi, ça te caractère? T'es cyclothermique ou quoi? Dis-lui! Si ça vous arrange, je peux bien vous prêter les 90 euros qui vous manquent, puisque, comme le dit si bien Vincent, je suis blindée. Moi aussi, je peux lui prêter un. Ah non. Ah bah, moi aussi, je peux lui prêter un. Ah non, pas question. Hein. Les arrangements, c'est quand tout le plateau est vendu, pas avant. Non, pas forcément. Je me souviens à l'époque où on jouait avec des francs. Ou bien, on pouvait se prêter quand on voulait. Yes, ma chaleur! Ne le fais pas. Hein. Ben, fais quoi? Je cherche la règle du jeu. Mais laisse tomber, on va voter, c'est tout. Donc, ceux qui sont pour, levez la main. Attendez là, on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau ne soit vendu. Attendez là, on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau ne soit vendu. Oh putain, mais ça c'est le deuxième effet qui se coule. Mais vous n'aviez jamais fait une phrase aussi longue avant. Non, mais... D'habitude, j'essaie de faire court, mais là, je suis prise par le jeu, alors tu me lâches. Non, mais d'habitude, j'essaie de faire court, mais là, je suis prise par le jeu, alors
Je me lâche. Oui, bah, on est gentil. On essaye de faire des phrases courtes. Faut pas casser le rythme, là. Ça va, si on peut plus parler. Ça va, si on peut plus parler. Je vous ferai remarquer que c'est vous qui parlez le plus de toutes les groupes. Eh, alors comme ça, vous aussi vous comptez, hein. Il n'y a pas que moi. Donc, ceux qui sont d'accord pour qu'on puisse traiter de l'argent, levez la main. Quoi? Bah, sur le fond, j'ai toujours été d'accord. Oh, t'es bon. Des os. Oh non, il faut absolument que je rentre tout droit d'être inondé. Non. Ah bien, justement, si vous rachetez la compagnie, bah, vous pourrez trafiquer la facture, ou mieux, vous aurez l'eau gratos. Bon, d'accord, je sais. La gare Saint-Lazare aussi, elle est pour moi. 8. Ah, c'est bon, je suis chez moi. 8. Ah, c'est bon, je suis chez moi. Bon, allez, à moi. Ah, un petit 3, j'aurai ma gare Lyon, chérie. Hein. Merde, 4. Avenue Mozart, 1756-1791. Mort à 35 ans. Il aura pas fait du zoo, celui-là. Allez, j'achète. C'est déjà moi? Ah oui, là, c'est bon. Pour une fois, il y a du rythme. 9. Qu'est-ce que t'as mis, chance de communauté? Bah non. C'est pas la peine de lire la carte. Avec le pot que vous avez, bah, vous pouvez taper directement dans la caisse. Recevez votre courrier annuel. 100 euros. Qu'est-ce que je disais, hein? Allez-y, servez-vous. Pardon, j'ai failli vous tâcher. Chance. Allez en prison. Non, pas en prison. Ne passez pas par le cas de pas. Ne passez même pas de son droit. Oh non, la prison, c'est dégoûtant. Je ne peux pas tenir mon carte. Ah non, vous avez déjà joué. Et attention, elle s'est marre! Non, je vais juste souffrir de faute. Oh, c'est pas qui? À la client qui demande. Oh, merci, sympa. Vous achetez ou pas? Certainement pas. Pourquoi? 200 euros. Il vous reste 375. Vous avez largement les moyens. Mais c'est pas le problème. Marie, regardez comme vous avez déjà le boulevard Saint-Michel. Comme ça, ça vous fera deux oranges. Hein? Elle a raison. Écoutez, moi je ne veux pas acheter Place Pigalle. C'est mon droit, non? Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas acquérir ces symboles de stupre, de la fornication et de la luxure. Je déteste cet endroit. Il me dégoûte. Voilà. Ça vous suffit comme une explication? Mais nom de Dieu, on ne demande pas d'y ouvrir des hôtels de passe, mon Dieu. Dieu merci. Marie, écoutez-moi. Quand vous jouez à un jeu, vous préférez perdre ou gagner? Gagner, bien sûr. Alors achetez la Place Pigalle. Vous croyez? Je n'en crois pas. J'en suis sûre. Oui, c'est une carte que tout le monde voulait. Quand même, enfant Pigalle. Bah, c'était pas un proxénète, Pigalle. Oui, c'était un type très bien, un excellent sculpteur et de très bonnes familles en plus. Jean-Baptiste Pigalle, 1714,
1785. Et ça coûte combien? Ah, bravo, hein? Vous posez déjà des bonnes questions pour le quartier. D'accord, je chèque. Mais seulement pour vous faire plaisir, parce que Dieu m'est témoin de... Oui, Dieu est témoin, il a tout vu, il est fier de vous. Il reste quoi? Il reste quoi? Bah, les deux gardes, mais ne rêvez pas, ils sont pour moi. C'est ça, c'est ça. Trois chances. Vous avez gagné le prix de mots croisés. Recevez 100 euros. Vous avez gagné le prix de mots croisés. Recevez 100 euros. Allez, à moi. Ça me casse le cul! À nous aussi! Huit. La caisse de communauté, hein? Payer la note du médecin 50 euros. Ah bah putain, il est gonflé celui-là. Non seulement il nous fait poireauter comme des cons, mais en plus il envoie la note. Et au fait, il y a des nouvelles? Oh, je vois. Non, on s'en fout, on joue là! Il ne reste plus que la gare de Lyon. Vous ne voulez pas qu'on avait assez cher, comme ça on pourra construire plus vite. Non. Pas question. Juste les ronds pour l'acheter. Bah, si les prix flambent, je suis morte. Mais qu'est-ce que vous avez avec les gares? Il n'y a pas plus sale qu'on en va. Ah oui, mais les gares, c'est toute ma vie. J'ai rencontré ma femme, garde du Nord. Je l'ai demandé en mariage, garde Montparnasse. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Gare Saint-Lazare, on a fait le petit dernier gardien. Oh! De toute façon, la gare de Lyon, pour vous, c'est mort. Vous devez faire 5, et 5, c'est pas un double. Oui, mais si elle fait un double 1, et après 1 et 2, c'est bon, non? Oui, mais si elle fait un double 1, et après 1 et 2, c'est bon, non? Bah oui, là, oui, c'est bon. Mais si elle y arrive, je me fais curer. Ah non, merci. L'église n'a aucun besoin de vous. Qu'est-ce que vous en savez d'abord? Vous êtes la porte-parole du Vatican? Oui. Mais faut pas croire, mais nous aussi, les taxis, on est des sortes de confesseurs de notre genre. Bah, si vous saviez le nombre de personnes qui ont chialé dans mon bahut, vous seriez étonnés. Mais oui, Marie, je ne suis pas d'accord avec vous non plus. Vous savez, rares sont les personnes qui comprennent mon problème. Mais un jour, j'ai pris un coup de bite. Ah non. Mais heureusement pour moi, la veille, il avait vu un reportage à la télé sur le sujet. Alors, il m'a posé 1000 questions sur ma maladie, mais aucune n'était déplacée. Nous avons eu une conversation tellement intéressante de point de vue humain que j'en étais arrivée à souhaiter qu'il y ait des embouteillages pour que ça dure le plus longtemps possible. Bah, vous voyez, cet homme m'a fait un cadeau magnifique. Pendant quelques instants, il m'a considérée comme une personne normale.
C'est là où ça me donne envie de chialer. Hein. Putain! Bah, t'as vu la ligne là? Quelle ligne? Bah si, sur le jeu! Bah c'est comme une grosse ligne qui barre la carte. Faut pas mettre ton pion dessous, c'est pas bien, c'est caca! Oh là là, mais pas grave, non! Non, 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 non! Non, Vincent, c'est déloyal ce que vous faites là! Oui, c'est vraiment nul! Oui, c'est vraiment nul! Oh, ça va un peu rigoler! Oh, ça va un peu rigoler! C'est même pas drôle! Franchement, l'humour de Taxi Colena a la casquette! Pardon, laisse-le faire son cinéma, ça ne tient pas de vous. Bah, si tout le monde était comme vous dans le quartier, ce serait le rêve. Payer une amende de 10 euros ou tirer une carte chance. Qu'est-ce que je fais? Franchement, je ne sais pas. Non, 10 euros, c'est pas la rue. C'est vrai. Allez, à moi. Ah non, non, attends. Il tient mon carte chance. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Putain, tu
Chut, Arthur. Ah bah bravo pour la symétrie, tu repasseras. Hein. Bah de toute façon, c'est pas la peine de finir, parce que je vous avais tous plumé. Elle a raison, j'ai gagné. Écoutez-moi bien, mademoiselle. Je pars, mais je veux que vous disiez à votre pseudo-docteur qu'il ne restait pas de mes nouvelles. En attendant, pour jouer au Monopoly, c'est tout simplement scandaleux. Le docteur va aussi entendre parler de moi, croyez-moi. J'ai beau détester le virus, je me mets pour rire son site internet en expliquant en détail la façon dont elle se moque de ses patients. Vous allez voir. Oh oui, la grande docteur Stern, la meilleure, la sommité, la spécialiste. Eh ben, vous lui direz de ma part que c'est une charlatane. Voilà. Ouais. Je ne sais pas quoi vous dire à part que je suis... Oui, oui, désolée, ça va, on connaît la chanson. Moi je vais y aller. Hein. Bon, moi je vais y aller. Hein. Bon, ben moi aussi. Mais... moi aussi. Bah, si tout le monde se barre, bah, Fred, faites quoi, vous? Ben, vous m'avez presque convaincu à faire une thérapie de groupe, mais si tout le monde s'en va. Ben non, non, mais moi finalement, je vais rester. Ah oui, oui, je veux dire ce qu'elle va me dire, la Stern. Ah bon? Donc, moi je reste aussi. Ne serait-ce que pour vous éviter de faire une bêtise. Ça, c'est gentil. simple curiosité, vous qui avez déjà participé à une thérapie de groupe, ça serait comment au juste? Ah bon, donc au départ tout le monde se présente, expose son problème et après on travaille avec chacun par plage. Par plage? Bah oui, tout le groupe se focalise sur une personne. Désolée pour l'expression, mais bah, c'est un petit peu comme une tournante. Je ne vous dis pas tout ce qu'on peut attraper comme elle est là-dedans. Mais attendez, attendez. Là, si j'ai bien compris, dans cette histoire, le tout bip, c'est le groupe. Bah oui, donc le docteur vient, mais tout le monde participe. Ah, d'accord. Mais si on le faisait... Pardon? Vous plaisantez? Pourquoi on n'essaierait pas de le faire? Mais parce que nous ne sommes pas des thérapeutes. Et si tout le monde participe, le docteur est là pour guider ses patients, un peu comme les bergers ici, pour guider ses patients. Là, bonjour les métaphores de bigotes. Ah non, Vincent, pas de facilité. Chacun réagit dans son style. Culé. Bah, on le fait ou pas? Non. Bah, d'accord, d'après tout, on n'a rien à faire. Bien parlé. C'est prêt? Bah, vous savez, les groupes m'ont toujours terrifié. Mais si c'est avec vous, je veux bien essayer. Pute vierge! Candide, entre deux nettoyages de printemps, on peut espérer vous compter parmi nous? Je ne sais pas, pour être franche, je n'y crois pas trop. Et moi, non plus. Candide! Lily, vous le faites, vous? Bah, si vous le faites, moi je le fais. Bah, si vous le faites, moi je le fais. Bah, et quand on dit un peu de courage, d'autant plus qu'on se connaît maintenant. Bah oui, pour une fois, vous ne pouvez pas enlever les mains. Réfléchissez. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour le groupe. Le chantage affectif. Allez, d'accord, je vais bien essayer. Mais c'est bien pour vous faire plaisir. Génial, merci. Marie, ma belle et douce Marie, il ne reste que vous. Inutile d'employer la caterie, je ne me prêterai pas à ce simulacre. Un point, c'est tout. Il n'y a pas que ça, je viens prendre et je ne peux la répondre. Vous devez impérativement partir dans une demi-heure. Attendez, ne me dites pas que vous êtes aussi... Attendez, j'ai besoin de mes fiches. Voilà.
homophobie. Fort exagéré de rater son avion. Et comment on appelle une personne qui a raté ses études? En taxi. Merci, sympa. Mettre ça dans le cul! Bah, merci, hein. Avec celui de Marie, ça me fera deux. Bah, sinon, Eve, les séances de groupe, elles duraient combien de temps? Environ une heure, donc une demi pour se présenter et une demi pour le travail. Très bien, parfait. Bah, comme chez nous, les présentations sont déjà faites et que chacun connaît le problème de l'autre, bah, on peut attaquer le boulot tout de suite et dans une heure, on est tous sortis. Ça vous va comme ça? Mais non, j'ai déjà vous dit, j'ai un train et je ne peux pas l'arrêter. Bah, allez, Marie, 3 minutes. Le temps de neuf à la coque. Je cède, mais je ne crois pas une seconde. Vous savez, j'ai peur de ça, ça me stresse au plus haut point, mais avec vous, je suis prête à essayer parce que je sais que vous n'allez pas me juger. Et moi pareil, et moi pareil. Bah attends, hein. Allez Marie, 3 minutes. Parce que vous croyez qu'on va tout régler les problèmes, qu'on les traîne dans 3 petites minutes? Mais oui, Marie. Comme j'ai dit, j'ai stressé, je suis stressée au plus haut point, mais je suis prête à essayer. Alors, essayons. Excusez-moi, mais pour moi, c'est du charabia. Bien. Mais on va faire quoi pendant ces 3 minutes? On va prier. C'est fait? Mais non, je déconne. On va faire quoi? Pendant 3 minutes, tout le groupe se focalise sur une personne, comme j'avais déjà dit, et on va l'aider à dénouer son problème. Bon, en clair, chacun va essayer de combattre son problème devant le groupe. Oui, c'est le principe. Bah, on le fait. On le fait. Thank you.
On dit un exercice de solidarité. Hein? Ah oui, Marie, arrêtez d'envoyer des mauvaises vibrations dans le groupe, ok? Vibrations, vibrations! Je ne crois pas que c'était une très bonne idée de commencer par moi parce que c'est pas trop bon pour le moral du groupe. Continuer, on continue. Oui.
s'en occupe. Ouais. Oui, sauf que je craque tout de suite. Oh, c'est pas grave, on y retourne. Oui, on continue. Ah oh Candide, acceptez tout de même que je vous touche vos mains parce que les miens sont très propres. Propres. Très, très propres. Moi aussi. Ah. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Ah. Moi aussi. Ah. Ah bah, mon mère, elle est pire que moi. Elle n'a quand même pas se concentrer 10 secondes. Non, mais les phobies, c'est pas facile non plus. Voilà. Moi, je sais, avec mon histoire de ligne, c'est le pareil, donc je comprends. Bah, qu'est-ce qu'on fait quand elle revient? On passe au suivant? Oui. De tout
marche pas, non? Ça va aller? C'est très dur à vivre. Non, c'est très dur à vivre. Vous allez vous en sortir, ma chère. Faites-moi confiance. Je sais ces choses. Mais oui! Merci, vous êtes adorable. Ça me touche beaucoup, même si ça ne règle pas mon problème. Merci, vous êtes adorable, même si ça ne règle pas mon problème. Je trouverais génial au niveau au moins que 5 personnes qui ne se connaissaient pas. Il y a 2 heures, on est d'une autre, hein. C'est sûr, facile pour tordre le cou. Une bonne fois pour toutes, c'est ça le prix de Doc. Ah oui. Vous savez ce que c'est? Oh putain, t'es un ciel service. Quand son annonce, ça ne m'a jamais pas fait la peine, ça qu'elle a dit. C'était tellement joli. Mais oui, c'était magnifique. Un vrai cri du cœur, tordre le cou. Une bonne fois pour toutes, c'est ça le prix de Doc. Ah oui. T'inquiète pas. Bonne chance. Bonne chance. Et allons-y, sous ces bisous à tous les étages maintenant. Hé, jalouse? Ça dérègle ton sabbat! Ah, mais je comprends le latin, vous savez. Bah, ça me dure. Regarde dans ton rétro, sale pétasse. Mon savon! J'y vais. Vous allez voir que je vais louper mon train avec vos arrives. Ah, vous inquiétez pas pour votre train, moi je gère. Bah, quant à Condite, elle va réapparaître dans presque exactement 23 secondes. Juste temps pour moi de briefer Eve. Bonjour, mademoiselle Eve. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste de marcher sur les lignes qui sont sur le sol. Attention, j'ai bien dit toutes les lignes. Les grosses, les petites, les droites, les obliques. Cette conversation s'auto-détruira dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Elle doit marcher sur les lignes. Putain, la pression! Je suis sûre que tu vas y arriver. Mais oui, Eve, on est tous derrière toi, ma chère. Oui. Ah, allez, Eve! Allez, Eve! Allez, Eve! Allez, Eve! Non, je peux pas, je suis trop bloquée. Allez, Eve, vous devez le faire. Pour nous! Pour le crew! Pour Jésus. Non, c'est bon, vous ferez bien. Oui. Tente un truc, tente si tu veux. Ok. J'y vais. Une petite, allez. Une petite. D'accord, just do it. Une seule. Ouais. Ok, je vais. Une petite correction.
dites-le non plus. Tiens, si je n'avais pas peur de me saluer, je vous giflerai. Bah, si vous faites ça, je vous jette dessus. Ah, allez, viens, 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 viens. Oh, ah, oh la vache, oh la vache. Ah, la vache, elle est ton mère. Non, non, tu vas trop loin. Ah, je suis taxi, c'est les automatismes. Les automatismes. Satan, sors de ce corps. David, vous avez raison. Satan m'habite. Tu t'en as rendu compte ou pas?
Moi, Marie était en train de s'étouffer, donc je parais un peu pressée. Mais alors, c'est-à-dire qu'elle va réussir? Mais alors, c'est-à-dire qu'elle va réussir? Oui, oui, mais peut-être c'était pas au moment où on l'attendait, mais vous avez vaincu les lignes. Bravo, Réa. Ça compte qu'on sait pendant le tour d'une autre personne. Pourquoi ça compterait pas? Pourquoi ça compterait pas? Le principal, c'est le résultat. Tout à fait, tout à fait. Alors, moi aussi j'ai réussi, hein? Oui, parce que j'ai pas compté tous vos encouragements alors qu'il devait y en avoir 125 faciles. Culé! Finalement, 2 sur 6, c'est pas si mal. Non, c'est déjà plus le fiasco annoncé. Ouais. Et 3, c'est encore mieux. Quoi? Et 3, c'est encore mieux. 3! 3, il y a un troisième. C'est vous qu'on dit. Oh. C'est vous qu'on dit. Oh. Ah ouais? Tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté. Et vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté. Oh. Et vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Et pourquoi vous ne vous êtes pas lavé les mains ces coups-ci? Il n'y a pas pensé, parce qu'elle était focalisée sur Lily. C'est vrai que d'habitude, quand quelqu'un me touche, quand je touche quelqu'un, après je me lave les mains, mais là, bizarrement, ça ne m'a même pas effleuré. Je ne sais pas pourquoi. Oui, mais moi je sais. Parce qu'en prenant la main de Lily, vous lui avez donné de l'amitié. Et de l'amitié, oh, ce n'est pas sale. Oh putain, c'est beau. On dirait du pagnol. Merci. Bon on est à 50% de réussite. Oui, peut-être en rabais quelqu'un. Ouais. Sûrement. Non, mais c'est génial cette séance de rattrapage. Je file le tour. Ah, j'ai trouvé. Qui? C'est Marie. Oh mon dieu, c'est moi? Oh quel bonheur. Mais c'était quand ça? Bon, à tout debout, à un moment donné, Fred vous a traité Marie de sacre mère, sans le vouloir. Ah oui, oui, je me souviens. Oui, c'est possible. Et alors, elle n'a pas vérifié son sac. Mais pourquoi elle aurait dû le faire? Mais parce qu'à chaque fois que quelqu'un prononce le mot sac, elle se jette sur le ciel pour tout vérifier. C'est comme un réflexe. Tiens la preuve. Non, mais c'est pourquoi je me demandais si j'avais bien, mais... Oui, c'est bon, j'ai dit. Marie, vous vous souvenez pourquoi vous n'avez pas vérifié votre sac à ce moment ici? À vrai dire, j'étais tellement occupée que je ne me pense pas. En admettant que Marie a réussi à convaincre son top, il ne reste plus que vous, Fred et Lily. Ah non, moi je ne compte pas, je l'ai déjà dit. Ah, bon, en ce cas, essayons de voir où Lily a fait de ce pas. Ah non, moi depuis le début, j'ai absolument tout répété. Tu es sûre que depuis le début, tu as absolument tout répété? Tout, sauf deux lettres. Quelle lettre? Une syllabe. Quelle syllabe? Pi. Pi? Mais c'était quand ça? Ah, je me souviens, c'était pour pendant le tour de Vincent. Ouais. Ah, moi, je sais pourquoi elle n'a pas répété Pi. Oh, voilà, monsieur Vincent, dans toute sa splendeur, toujours plus fort que tout le monde. Voilà, allez. Réfléchissez. S'il avait répété pi, ça aurait donné pipi. Et elle est bien trop polie pour dire un truc pareil. Ah non. Lily, dans l'alphabet, quelle est la lettre qui vient juste après le J? Caca. Ah, ok, autant pour moi, j'ai rien dit, hein. À mon avis, c'était comme pour nous. Elle était dans le feu d'action concentrée sur Vincent et juste pendant une seconde, elle a oublié son temps. Une seconde, ça fait pas beaucoup quand même. Ah bon, ça t'y est arrivé combien de fois pendant 10 ans? À la louche? Jamais. À la louche? Jamais. Tu vois, cette seconde-là, elle est si précieuse parce que c'est de l'espoir dans le monde. Tu comprends ça? Si tu comprends ça, dites-moi oui.
seule fois. Oui.
Personne, Anne-Cécile. Pourquoi? Oui, pour vous connaître.